Bonjour, c'est Ken. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une séance spéciale dos. Donc, on a déjà vu une séance cuisse, une séance spéciale épaule. Donc, là, l'idée, c'est faire des séances sur chaque groupe musculaire. Donc, les cuisses, les épaules, le dos, les pecs, il y aura biceps, triceps et abdos. Pourquoi je décompose comme ça? C'est pour vraiment vous concentrer sur le groupe musculaire ciblé. Et après, vous additionnez chaque vidéo pour faire votre propre séance. Donc, ça vous aide à améliorer la sensation musculaire, à trouver de nouvelles méthodes d'intensification. Si vous restez concentré sur votre groupe musculaire, je décompose comme ça, vous pouvez adapter à votre planning. Alors, idéalement, moi, je vous conseille toujours de faire au moins 2 fois par semaine le même groupe musculaire, hein, pour avoir plus de résultats. Donc, moi, je conseille plutôt le full body ou half body ou PPL, c'est des équivalents, hein, c'est pour travailler deux fois le même groupe musculaire. Hein. Par exemple, moi j'aime bien faire jambes-épaules dans la même séance, je fais jambes-épaules le lundi, jeudi je refais jambes-épaules, le mardi si je fais haut du corps, pec, dos, bras, biceps-triceps, le vendredi je refais pec, dos, bras, hein, biceps-triceps, si je fais en full body, je fais tout, sauf que je vais mettre un peu moins de séries sur les épaules, parce que les épaules vont être très sollicitées sur les développés, et il faut que je puisse être aussi performant sur mon premier exercice que sur mon dernier exercice. D'accord? Si je fais du full body, je vais faire, par exemple, je peux faire cuisse, épaule, dos, pec, bras. En général, je ne fais pas comme ça, je fais plutôt cuisse, et je vais d'abord faire les plus grosses masses musculaires en premier, ça va plutôt être cuisse, dos, pec, après je vais faire épaules et bras, je finis par les petits groupes musculaires, voilà, si vous voulez faire en full body, si vous voulez prendre toutes les vidéos. Par contre, avec un peu moins de séries. Là, on va faire 4 séries, donc 4 séries très intenses sur le dos. Donc la séance va être courte, mais très intense. Donc le dos, après on fera les pecs, donc ce sera la prochaine vidéo, les pecs, après je ferai les biceps et les triceps, d'accord? Vous pouvez additionner les séances comme vous voulez. Si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, vous pouvez faire par exemple le matin et un peu l'après-midi. Vous avez un tout petit peu de temps, vous avez un peu de temps le matin et un peu de temps l'après-midi. Vous ne pouvez pas faire une séance complète en même temps, vous n'avez pas 1 heure devant vous. Vous faites la séance dos le matin, la séance pec l'après-midi. Biceps-triceps, c'est rapide, vous pouvez les additionner ou les mettre à part. Ou alors, je vous donne plusieurs astuces. Ou alors, vous faites dos, si vous voulez décomposer comme ça, dos et biceps ensemble. Quand on travaille le dos, les biceps sont travaillés, et pec et triceps ensemble. Ok? Voilà. Bon, on est parti. Donc, on va s'échauffer tranquillement sur l'exercice. D'accord? On va s'échauffer sur l'exercice très en douceur pour préparer tous les muscles à l'effort et mobiliser en même temps. On va faire un petit peu de tout. Alors, je vais prendre un élastique assez léger. Donc, voilà. Donc, je vais très pas parler de résistance. Ok? Je ne vais pas parler de résistance. Là, l'élastique rouge, c'est mon élastique le plus dur. Donc, faites pas attention aux résistances, que j'ai déjà dit dans les dernières vidéos. Si on les marque, on nous a pas les mêmes résistances. Hein. Celui-là, c'est un élastique qui montre qu'il a 22 kg de résistance, 22 kg. D'autres marques, certaines marques avec 22 kg vont être plus faibles et d'autres avec 22 kg vont être beaucoup plus dures. Donc, c'est la résistance la plus dure. D'accord? Ce qui va être important, c'est de vous concentrer sur le groupe musculaire et pas vous concentrer sur faire un maximum d'élastique possible. On cherche pas à mettre le maximum d'élastique. Contrairement aux haltères, à chaque fois, on cherche à mettre le plus lourd. Là, ici, l'avantage des élastiques, justement, c'est vu que selon les marques, on n'est pas tous les mêmes résistances, ça vous permet de vous concentrer bien sur l'exercice et bien sur les groupes musculaires que vous allez chercher à cibler. Donc, on va prendre un élastique moyennement dur, d'accord? Le deuxième plus dur, parce que là, on va avoir beaucoup de force sur ce qu'on va faire. Après, vous adaptez, hein, si vous trouvez que c'est trop dur, vous prenez un plus léger, mais normalement, là, ça va le faire. Le premier exercice, ça va faire ici. Donc, j'installe mes poignets. Vous avez vu, j'ai mis l'ancre de porte ici à mi-hauteur. Donc, toutes les vidéos, je fais exprès, je les laisse à mi-hauteur pour que vous puissiez enchaîner tout l'exercice avec l'ancre de porte à mi-hauteur. Donc, c'était calculé pour ça. J'ai fait tout l'exercice que vous allez voir, pec, dos, cuisse, bras, épaules, tout. La sangle sera à ce temps-là. La fourche de porte sera à ce temps-là. Donc là, je mets l'élastique à l'intérieur. Donc, pas de tension musculaire, très souple, hein, vous voyez, on n'est pas échauffé, donc on y va très lentement. Là, je vais juste prendre l'élastique, ici, et rétracter les épaules. Je rétracte les épaules, et je reviens. Ok? Je rétracte, je reviens. Tranquillement, là, je rétracte, et je reviens. D'accord? Je vais juste chercher à pousser les épaules en arrière, hein, bien sortir la poitrine. Bien cibler la fixation des omoplates pour bien être sur le dos. Donc,
Ici, je reprends mes élastiques. On va faire la même chose un petit peu plus loin. Ici, j'essaie de ne pas être trop loin pour que vous puissiez toujours me voir à la caméra. Ici, là, je pars les épaules en arrière, je sors la poitrine, je vais tirer les coudes en arrière. Ok, vous avez vu, mon pouce est sorti, je suis très souple. Je cherche à tirer les épaules et les coudes en arrière et pas les mains vers la poitrine. D'accord? Je ne cherche pas à faire ça. Je vous montre face à la caméra, c'est vraiment important, ça fait toute la différence, c'est vraiment les grosses erreurs pour le dos. Quand je vais faire un exercice sur le dos, je vais chercher à travailler le dos en premier. Mon but, c'est mon objectif, c'est le dos, l'ensemble du dos, et pas les biceps. Les biceps sont secondaires. Si dans ma tête, je cherche à amener les mains vers la poitrine, vous voyez, mon épaule va s'enrouler en avant et je vais être beaucoup sur le biceps. Je vais être sur le dos, donc je pousse les épaules en arrière et je vais tirer les coudes en arrière. Ma main, elle ne va pas se rapprocher de la poitrine, elle est en dessous. Un angle à peu près à 90 degrés, voire un peu plus. Ici, très souple, d'accord? Et là, je suis sur le dos. Essayez de vous concentrer sur ça dès l'échauffement. Sinon, c'est vos biceps qui vont cramer. Ici, je sors la poitrine, je tire les coudes en arrière. Je vais bloquer un petit peu, je bloque. Je vais abaisser les épaules le plus possible, je sors la tête le plus possible et je sors la poitrine le plus possible. Je maintiens. D'accord? Il va commencer à avoir un petit peu de connexion sur le dos, sur le haut du dos. Là, je relâche et je reprends. Je vais essayer d'en faire, enfin, je vais en faire facile, hein, c'est facile, donc j'en fais une dizaine, assez facile, mais en gardant bien cette gestuelle. Les épaules en arrière, hop, en abaissant bien les omoplates. Donc les jambes sont écartées et légèrement fléchies. Ok, n'hésitez pas à faire une série longue, on peut faire 15, hein, vous voyez, je vous parle en même temps. Là, je cherche juste à mobiliser les articulations, un petit peu activer le système nerveux, donc on continue tranquillement. Là, il n'y a rien qui se passe, hein, musculairement, il n'y a que dalle. Ok, on relâche. Là, musculairement, vous devez sortir aucune fatigue. Vous devez juste commencer à activer le système nerveux, lui dire où est-ce qu'on va aller travailler, d'accord? Et comprendre le mouvement. Là, je cherchais à mobiliser les articulations, comprendre mon placement. Je ne suis pas du tout essoufflé, pas une goutte de sueur, d'accord? Là, le premier exercice, c'est vraiment, on déverrouille les articulations. Ok? Là, je prends l'élastique le plus léger possible, vraiment le plus souple, celui-là, il n'y a aucune résistance. Je vais le mettre dedans. Pareil. Je vais prendre mes élastiques ici et là je vais tirer les bras en arrière et abaisser les épaules. Ici, là, donc les paumes de main vers le ciel, j'abaisse les épaules, je tire les coudes en arrière, enfin les bras en arrière, les coudes vers l'arrière, j'abaisse les épaules. Les jambes toujours fléchies. Je cherche à sortir la poitrine et à fixer les omoplates le plus possible. On est reparti ici, j'abaisse les épaules. Je sors la poitrine, je reviens. Donc on n'aura pas beaucoup de force pour cet exercice-là, mais même avec le très léger, vous allez commencer à sentir que ça travaille, qu'il y a un petit effort, ça vous demande un petit effort. Pas de fatigue, mais un petit effort. On est reparti ici. Alors j'inspire. Je garde la tête droite. Hein. Je ne laisse surtout pas la tête, je ne baisse pas trop la tête. Je reste le menton assez décollé de la poitrine. Voilà, je tire bien, hop, et je parcours 10 en ouvrant bien la poitrine. Voilà, donc il y a vraiment le haut du dos qui travaille. Allez, on en fait encore quelques-uns, donc 5 reps, après, sortez bien la poitrine, fixez bien les omoplates, c'est vraiment un mouvement qui part des omoplates, 9 et 10, ok? Vraiment un mouvement qui part des omoplates, l'engagement ici sur le dos. Ok, un exercice, on continue sur le dos, je vais prendre toujours l'élastique moyennement dur. Je vais me pencher en avant, ici mettre un genou au sol, je me penche en avant, je sors la poitrine et je vais tirer les coudes en arrière. D'accord? J'abaisse la poitrine, j'abaisse les omoplates, je sors la poitrine. C'est comme du tir à vertical. Je vais le faire comme ici, mais c'est pour éviter les manipulations. Je me mets face à vous. Ici, en gros, avec les deux mains, je vais abaisser les omoplates, tirer le coude et sortir la poitrine. Je ne fais pas ça. Là, je suis que sur les biceps. Je sors la poitrine. D'accord? Quand je vais tirer ici, donc je suis allongé le ventre sur ma cuisse, je sors la poitrine le plus possible. Donc dès que je tire, je ne cherche pas à tirer ici, je cherche à m'agrandir, à sortir la tête des épaules. Et là, on sera sur le dos. Okay? On est parti pour 15 répétitions, tranquille, pour s'échauffer. 15 répétitions. Ici, j'abaisse les épaules. Voilà. 1. Je sors toujours la tête des épaules. Hein. Voilà, la tête très souple. Donc évitez de tourner la tête en même temps, c'est juste pour montrer que je suis souple. Sur la tête, 4, 5, enroulez pas la poignée avec le pouce, 6, ça libère un peu la tension sur les avant-bras, on abaisse bien,
les épaules toujours, on se concentre sur le dos. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. On va augmenter la tension. On va augmenter la tension ici. Regardez ces poignets. Je mets le stick le plus dur. On va repartir avec un peu plus de tension. Donc là, on a fait surtout un réveil articulaire. On a commencé à connecter le système nerveux sur ce qu'on allait faire. Là, on va chercher à activer les groupes musculaires qui commencent à avoir de la tension. Ok ? Donc, on est parti. Ici, 10 reps. On va faire que 10 répétitions. Il n'y a pas de fatigue. Vous pouvez sentir que musculairement, ça commence à travailler. Allez, sur la poitrine, 1. Donc, ce temps un peu dur. Vous pouvez sentir que ça travaille quand même. 2. 3. 4. 5. Donc là, le dos commence à s'activer. 6. On abaisse bien les épaules. Le départ, c'est bien depuis les épaules. Les coudes suivent en arrière. D'accord? C'est les coudes qui partent en arrière. 9, 10. Ok? On va garder les élastiques. On va se pencher en avant. Ici. Et là, on sort la poitrine. Pareil pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc là, ça va commencer à choper musculairement. Parenthèse, vos mains, vous ne prenez pas la tête avec vos mains. Justement, l'avantage des élastiques, c'est que vous n'êtes pas verrouillé. D'accord? Vous pouvez le mettre ici, tourner un petit peu. Pas grave. Pas ici, évitez l'impronation parce qu'on va avoir tendance à faire comme ça. Plutôt ici ou là. D'accord? En gros. Si quand je fais le rowing, j'évite de faire ici puisque là, on va avoir tendance à avoir les épaules soulevées. C'est soit ici, paume de main face à face. Soit légèrement incliné, soit complètement incliné. D'accord? C'est tout l'exercice de dos, enfin, le tirage face, penché, peu importe la position des mains, il faut que vous soyez concentré sur les épaules. Tout part des épaules, d'accord? Ça part pas des mains. Je me répète, mais le dos, enfin, toute la différence est là. Pour bien cibler le dos, ça part pas des mains, ça part des épaules et ensuite les coudes. Là, on va remettre un élastique moyennement dur, parce que celui-là, il est dur. Ici, vous pouvez prendre l'élastique dans les mains, soit mettre les chevillères. Ici, moi, c'est l'élastique moyen, celui-là. Enfin, il est plus dur que celui-là, donc c'est mon troisième, c'est le moyen. Prenez l'élastique qui vous correspond. Donc, les mains ici, comme les mains vers le ciel. Et je cherche à sortir la poitrine. Ok, je reviens ici. Ok, soit on tient soit les mains. Je suis hier, soit l'élastique, les mains, peu importe. Ici, je sors la poitrine. Okay. Et là, on va vraiment sentir le dos qui s'active. Donc, je cherche à pousser les pouces le plus possible vers l'extérieur. Okay. Allez. 10, on est parti pour 10. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Là, on est bien. Et là maintenant, on va mettre le maximum de tension sur les élastiques pour attaquer pour le dos. Ici. Donc le dos, on a beaucoup de force. Je vais le faire avec vous. Ici. Donc là, je mets tous mes élastiques. Vous allez voir que ça ne va pas être si dur que ça. Enfin, les premières répétitions, bien sûr. Après, oui, si ça va être dur. Ici. Donc, on prend les poignets. Okay. On est parti, juste 5-6, juste pour voir comment on est, voir si c'est dur ou pas. Prêt? Juste pour 5-6, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? On approche en avant, et il va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Et celui-ci, on va faire, on fait juste un petit peu, 5, 6. Et après, on va attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc là, on va attaquer. Vous voyez, le dos, on a de la force. Donc on peut faire plusieurs choses. On peut soit rajouter tous les élastiques ici, et quand on revient sur le dernier, on l'enlève, on le prend dans les mains. Soit, ce que je vais vous faire faire là,
je vais chercher à regarder la tension, je vais chercher à fatiguer un petit peu sur les premières reps. D'accord, on va maintenir un petit peu la tension et après on va attaquer. Le dos, on a beaucoup de force. Donc vous adaptez. D'accord, si c'est trop dur, bah, vous me suivez, hein, si c'est me suivre, c'est trop dur. Bah, vous relâchez et puis vous repartez. D'accord. Volontairement, la première répétition, je vais maintenir pour deux raisons en fait. Je vais maintenir un peu la tension pour deux raisons. Pour commencer à fatiguer le muscle, pour que ce soit un peu plus dur et pas avoir besoin de rajouter sans arrêt des élastiques. Et pour que vous soyez bien concentré sur le dos et pas sur les biceps. D'accord. On va voir un petit coup, puis on y va, on attaque. On va enchaîner les trois exercices. Je mettrai qu'une minute de pause à la fin de l'exercice et on va partir sur quatre séries. Donc la quatrième série, il y a de fortes chances que vous n'arriviez pas à la faire. C'est normal. Ok? Enfin, vous n'arrivez pas à la faire aussi bien. Vous n'arrivez pas à la faire aussi bien. On est parti. Je prends mes élastiques. Je prépare mon chronopau, la pause de tout à l'heure. Voilà. Ok, on y va, on s'éloigne, on trouve la tension, la bonne tension. Donc je répète, évitez d'aller le maximum, le plus loin possible, parce que vous allez fragiliser les élastiques et vous risquez de casser l'élastique. Rajoutez plutôt un élastique si vous pouvez, rajoutez des élastiques, plutôt que d'aller trop loin. Moi je vais assez loin, ici, les élastiques sont tendus, je suis très loin de leur tension maximale, d'accord? Je ne me mets pas en danger. Ok, allez, on y va. On s'éloigne, on s'installe bien fort sur les jambes, jambes fléchies, dans une position chaise, donc normalement les cuisses vont travailler aussi. Et c'est parti, donc je sors d'abord pour la première, je sors les épaules en arrière, je tire les coudes en arrière et je maintiens. Donc ça c'est la première, on maintient pour l'instant. Je vous dirai quand on attaque pour les 9 reps supplémentaires. On maintient encore 3 secondes, 2, 1, ok, on part pour 9 répétitions. 9, 8, 7, on sort bien la poitrine. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, ici à genoux, on sort la poitrine, on tire, tirage, sortons la poitrine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, le dos ici, on prend l'élastique, hop, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en fais encore une, 11, j'en fais encore une parce que j'avais un doute, si j'avais bien compté ou pas, puis ça allait. Je fais qu'une minute de pause, dans une minute, on est reparti. Même principe, je vais rendre l'exercice dur sur la première rep, donc vous devez sentir ici hein, tout le dos, c'est bien vous concentrer sur cette partie-là, vous devez sentir que le dos il congestionne les épaules, quand on fait bien la séance dos, vous devez sentir, j'exagère, vous devez vous sentir comme ça, complètement redressé, d'accord? C'est tous les muscles du dos, c'est en train d'installer vos épaules en arrière et abaisser. Le dos, il faut y aller. Hein. Avoir un dos trop fort, c'est rarement un problème. D'accord? Un dos bien musclé, c'est quand même vraiment important. Donc concentrez-vous bien sur le dos, faites bien le mouvement et surtout faites attention aux épaules en arrière. Pour bien cibler la bonne partie du dos. 20 secondes, on y va. On prend les poignets. Pour la deuxième série. Allez, en 5 secondes. On s'installe. Ok. Parti, la première répétition, on maintient en statique et on y va. On sort la poitrine, on abaisse les épaules, on tient. Maintiens, allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, ok, et parti pour 9 reps. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et un dernier, hop, ok, là, à genoux, ici, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, pensez aux épaules, hein. 6, 7, 8, 9, 10, okay. On prend l'élastique, ici, et c'est parti pour 10, 1, on sort bien la poitrine, on ouvre la cage thoracique, on va le chercher loin derrière, dans l'endroit, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On avait avancé. Restez toujours concentré sur vos épaules. Encore une fois, je le répète, les élastiques ont l'avantage, c'est un avantage, je trouve, de ne pas avoir la notion de poids contrairement aux haltères. Aux haltères, on va être si concentré sur le poids, on veut mettre un certain poids. La vie qui n'a pas trop cette notion de poids, c'est dû à peu près. C'est l'avantage de vous forcer à vous concentrer mieux sur le dos plutôt que avec votre ego, chercher à mettre le plus dur possible. Concentrez-vous bien sur vos musculaires voulus. Ok? Donc, vous allez sentir aussi le triceps, ça c'est normal, on est sur le dos, mais on est aussi sur le triceps pour vous tirer bien les coudes en arrière, quand les coudes commencent à dépasser la ligne du corps, les triceps supérieurs ici, la partie haute des triceps travaille. D'accord? Par contre, il y a des chances que vous sentiez les biceps, c'est pas bon, les biceps travaillent, mais vous ne devrez vraiment pas les ressentir. Plus vous êtes concentré sur les épaules et les épaules abaissées, et les coudes, l'avant-bras ici bien ouvert, l'avant-bras biceps bien ouvert, les biceps, moi je ne suis pas du tout les biceps. Les triceps, oui. Les biceps, non. D'accord? C'est ça qui est le cœur. Allez, on est reparti. La limite est passée. Allez, c'est parti. On s'installe. Et on bloque en haut. Prêt? Allez, c'est parti. Hop, on tire. 10 secondes. 7, 6, 5. Sors bien la poitrine. On abaisse les omoplates. 3, 2, 1. Ok, on relâche. Et on part pour 9, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, pas de mouvement de bassin, pas de mouvement de buste, le corps ne bouge pas. Un dernier, ok. On se penche en avant. Ok, change de jambe, si bien changer de jambe aussi, hein. La jambe d'appui, on sort la poitrine, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je n'ai pas envie qu'il y en a qui s'ouvre encore de route. Dernière série, donc là on a fait 3 séries. Vraiment sentir la congestion sur le dos. Dos triceps. Alors moi, quand je fais le dos, à force de me connecter dessus, je sens. Mais dès l'échauffement, en fait, dès l'échauffement, je sens déjà mon dos qui travaille. J'ai beaucoup travaillé sur cette histoire de connexion. Donc le dos, c'est juste cet avantage-là. Même à l'échauffement, je sens le dos qui travaille. Et là, je sens aussi beaucoup les triceps. Partie des triceps, c'est pas mon point fort, je le sens beaucoup aussi. Donc c'est normal. Il va rester 15 secondes pour la dernière série. Donc on s'accroche, on donne tout. Ok. Battez pas le mouvement, pas de bascule du bassin, c'est trop dur, on s'avance un petit peu pour que ce soit plus facile. Ou on fait des pauses. Ok. On prend les poignets. On est reparti. La dernière. Ici. Allez. On bloque. Donc la tête bien éloignée des épaules, la poitrine sortie, les épaules basses. Allez, 3, 2, 1, allez parti, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernière, 1, ok. On penche et on y va pour 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, back les poils, les épaules, 3, 2, et 1, ok, on est ici, au oiseau, on est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Voilà. C'est en train de terminer. J'espère que vous avez bien réussi à sentir le dos. Normalement, le dos
chauffe bien, ça crame bien. Donc moi, je continue sur les pecs. Si là, pour vous, c'est fini, vous voulez pousser les pecs plus tard, étirez-vous un petit peu. Alors, un truc qui est pas mal pour s'étirer, c'est que je dois prendre des élastiques durs. Donc, tous les élastiques, les poignets. Je vais garder plus tension. Je me penche en avant, les jambes fléchies et je recule doucement. Ici, je recule doucement, voilà. Je pousse les fesses en arrière et je me laisse l'élastique me tirer. Ça tire tout le dos, je pousse la poitrine vers le sol. Je reviens. Donc je ne fais pas ça longtemps. Encore 5, 6, 7 secondes, c'est tout. J'ouvre un peu ici. Je vais chercher là, à tirer un petit peu plus vers le haut. À droite, à gauche, tranquillement. On fait des étirements très courts. Ok. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc ratez pas la vidéo, la prochaine vidéo. Pour les pecs, d'accord, parce que dos et pecs additionnés, moi c'est ce que je préfère, j'adore, qu'on va additionner ça. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous avez senti sur tous les biceps, vous inquiétez pas, c'est courant, c'est normal, c'est parce que les connexions sur cette mise en place des épaules en arrière, c'est pas parfaitement réussi. C'est que vous avez peut-être tendance à trop fléchir le bras. Donc n'hésitez pas à vous filmer, quand pense à vous filmer pendant une séance pour voir si vos mouvements sont bien. Ça permet de vous auto-corriger très facilement. D'accord? Et comme vous avez bien à connecter tout ça, vous allez voir, c'est magnifique comme on ressent beaucoup mieux le dos. Il n'y a pas besoin de surcharger sans arrêt. On arrive bien à cibler le dos avec une bonne tension. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo pour la séance PEC. Allez, à bientôt. Ciao!